Alors, bonsoir à tous et on est toujours ce samedi qui continue son petit bonhomme de chemin. 6 juin 2020, 20h31 heure du Québec. Ça tire à sa fin ce samedi. Demain sera dimanche, une autre journée qui ressemblera à celle d'aujourd'hui. Avec ses petites différences. Et c'est ça la beauté de la vie. Chers amis, famine généralisée à venir, aggravant les difficultés économiques, les criquets pèlerins ravagent les cultures du sud à l'Asie centrale. Hein, on en parle de plus en plus dans les réseaux traditionnels, mais nous, on en a parlé depuis longtemps ici, que tout était pour nous tomber sur la tête. Eh bien, c'est ça. C'est la réalité qui vient nous rattraper. Parallèlement à l'envahisseur invisible, alias la fameuse pandémie, plusieurs pays d'Asie du Sud et centrale sont également victimes d'une attaque vicieuse par des nuées de criquets. Les criquets se sont répandus pour la première fois en Afrique de l'Est en 2020 et des hordes d'entre eux se sont également rendus au Yémen, à Oman, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et en Irak, avant de se diriger vers l'Iran, au Pakistan, en Afghanistan et en Inde. Et dernièrement, les criquets dans le Nord ont apporté leur appétit vorace dans certaines parties du Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan, dans ce qu'on appelle la pire peste des ravageurs en 2 décennies. On peut voir une de ces sauterelles, hein, vraiment, vraiment avec un gros appétit. Tandis qu'ils dévorent la végétation au cours de leur voyage, les cultures dans les régions infestées par les criquets souffrent énormément. Les dégâts causés par les... Je laisserai l'article dans la boîte de description. Vous allez voir, il y a plusieurs images à les visionner. C'était vraiment, vraiment hallucinant. Les dégâts causés par les ravageurs combinés à la réduction de la production alimentaire et du commerce mondial en raison de la pandémie de coronavirus ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité de pénurie alimentaire dans certaines parties du monde cet hiver. Ce sont des criquets pèlerins décrits par l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture comme l'un des insectes les plus voraces qui peut manger tout type de végétation qu'il rencontre. Toujours selon le fameux organisme des Nations unies, un essaim couvrant 1 km² de terre peut contenir environ 40 millions de criquets qui mangent la même quantité de nourriture en une journée qu'environ 35 000 personnes. Selon RFI, certains criquets envahissant actuellement l'Inde font plus de 5 km de long et 2 km de large, soit 10 km². De plus, une fois que leurs ailes ont poussé, elles peuvent voler jusqu'à 150 km par jour et parcourir près de 2000 km au cours de leur vie pour trouver un environnement favorable à la reproduction. Ils sont originaires d'Afrique et de la péninsule arabique. Après de fortes pluies provoquées par une série de cyclones dans l'océan Indien entre 2018 et 2019, ce qui a permis aux criquets de se multiplier considérablement. Donc, les changements climatiques dont on parle beaucoup ici, hein, à Freedom News Network, les inondations dont on parle beaucoup, les pluies dont on parle beaucoup, ont une importance capitale. Dans ce nouveau modèle où les rayons cosmiques galactiques ont été augmentés depuis 3 à 5 ans, d'une valeur de 15 à 20%, nous amène une autre couche nuageuse pleine d'humidité qui nous amène ces pluies et qui nous amène tous ces casse-têtes. Les pluies du début du printemps en Iran ont fait éclore la population locale qui a été rapidement augmentée par davantage de criquets pèlerins venus d'Afrique et des pays arabes. En février 2020, l'Iran combattait des essaims d'insectes voraces. Il y en a partout. Les autorités ont déclaré que les criquets avaient envahi 7 provinces du Sud. Je vous épargne la prononciation, vous irez lire ça vous-même. Mohamed Redzamir, porte-parole de l'Organisation pour la protection des plantes du ministère iranien de l'Agriculture, a déclaré en début de mai que la densité des criquets dans les essaims est si élevée qu'une couche de 10 à 15 cm de criquets morts se forme sur le sol après avoir été pulvérisée par des pesticides 10 à 15 cm d'épaisseur quand on les pulvérise et qu'ils meurent. Mir a déclaré le 15 mai que des criquets avaient dévoré des champs et des vergers sur quelques 200 000 hectares dans les 7 provinces du Sud et que l'armée iranienne avait proposé d'aider à combattre les ravageurs. Le Pakistan avait déjà déclaré une urgence nationale au début du mois de février, car les criquets avaient dépouillé les champs et les vergers, tandis que des essaims de la reproduction de l'été dernier se frayaient un chemin à travers les provinces du Baloutchistan, du Sindh, du Punjab et du Khyber. Un rapport du 1er juin de Nikkei Asian Review a déclaré que les criquets avaient déjà
dévoré des quantités considérables de culture dans plus de 60 districts dans les provinces du Pakistan. Le même rapport a noté que des criquets avaient pénétré en Inde et se trouvaient dans le nord-est du Rajasthan, le nord du Punjab, l'ouest du Gujarat et le centre du Madhya Pradesh. De nombreux spécialistes de l'agriculture prévoient qu'une deuxième vague de criquets pèlerins commencera à se diriger de l'Afrique et de la péninsule arabique vers l'Iran, le Pakistan et l'Inde au début de l'été. Les criquets ont détruit les récoltes de l'est du Turkménistan et dans l'ouest de l'Ouzbékistan ces dernières semaines, bien que les responsables locaux n'aient pas beaucoup commenté jusqu'à présent. Les autorités turkmènes n'ont pas du tout mentionné les criquets, bien que le service turkmène de RFERL, connu localement sous le nom d'Azatlink, ait signalé que les criquets s'étaient étendus sur quelques 35 000 hectares de terre dans le district de Kherki, dans la province orientale de l'Epab au Turkménistan, dévastant les récoltes. Le service ouzbek, connu localement sous le nom d'Ozodlik, a indiqué que le ministère ouzbek des situations d'urgence a annoncé le 25 mai qu'il prenait déjà des mesures pour lutter contre une invasion de criquets du Turkménistan. Il y avait des rapports d'essaims de criquets apparaissant dans les provinces dont on fait mention ici, dont je ne vous ai pas la prononciation. Le 19 mai, le ministère de l'Agriculture de l'Ouzbékistan a nié que les criquets mangeant des cultures en Ouzbékistan étaient originaires du Turkménistan, mais en expliquant d'où ils venaient, le ministère a noté qu'il existe plus de 150 types de criquets dans le pays, dont 10 peuvent provoquer de graves dommages aux cultures, pâturages et autres plantes. Le plus commun de ces 10 types est le criquet marocain que l'on trouve dans toute l'Asie centrale et l'Afghanistan. Et là, vraiment, on continue et on explique tout ça, comment c'est vraiment, vraiment très, très inquiétant tout ça. On est dans des temps vraiment extraordinaires que plusieurs qualifient de bibliques, des événements bibliques. Moi, je vous transmets les commentaires. Là. Beaucoup, beaucoup de gens parlent d'événements bibliques.